Bienvenue, Lahsen Haddad. Merci, merci de m'avoir invité. Et c'est un plaisir c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Lahsen Haddad, en débat, je rappelle que ex-ministre, parce que c'est important quand on dit quand on a été ministre, on l'est à vie. Donc ancien ministre en charge du tourisme et président de la commission mixte parlementaire Maroc-Union européenne, parce que je rappelle également que vous êtes député. On va démarrer avec vous. Alors, il y a plusieurs actualités. C'est l'hypothèse du projet de loi de finances 2024 qui a été exposé à la fois au Conseil de gouvernement et à la fois un large exposé, d'ailleurs, il faut aussi large au Parlement, parce que vous avez assisté à cette présentation générale. En toile de fond aussi, on le voit bien, la tonalité très sociale de cette loi de finances à travers les besoins et les dépenses qui sont programmées. Votre lecture, vous, par rapport à cela, est-ce que ces hypothèses de croissance donneront lieu à suffisamment de ressources financières pour pouvoir financer tout ce qui est prévu et programmé en 2024, à savoir la généralisation de l'AMO dans sa première dynamique en tout cas, les aides directes, les allocations familiales également, l'IPE comme filet social aussi pour celles et ceux qui malheureusement perdent leur emploi. Écoutez, ce sont des hypothèses, ce sont des projections par rapport à l'avenir, donc ce sont, si vous voulez, des idées comment on va gérer, comment on va présenter la loi de finances. La loi de finances se base sur des hypothèses, ce sont des hypothèses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais également notre perspective par rapport à l'avenir. Donc on regarde un peu la FMI, la Banque mondiale, on regarde les institutions internationales, etc. Et on se dit comment va progresser l'économie mondiale et également l'économie marocaine. Donc c'est sur la base d'un certain, si vous voulez, ralentissement des prix. Les prix ont commencé un petit peu à baisser au niveau international. C'est l'inflation plutôt. Peut-être qu'il a baissé, pas forcément les prix dans le premier temps, mais il y a une décélération de l'inflation. Voilà, donc il y a une certaine baisse qui est là. Donc c'est une bonne chose. C'est pour cela qu'on avait parlé à un moment de marge. Il avait une marge de quelque chose comme 10 milliards de dirhams qui a été utilisée à bon escient par le gouvernement. Donc cette tendance baissière, est-ce que l'inflation va suivre ou non, parce que nous avons une inflation qui est devenue endogène, elle n'était pas juste extérieure, importée et tout ça, maintenant elle est devenue endogène et tout ça. Est-ce que ça va impacter l'inflation ou non? Je pense que ça va, mais pas d'une façon très importante. Donc on va peut-être rester à quelque chose comme 5%, mais malgré... Sachant que le gouvernement, en tout cas dans les hypothèses de croissance, lui prévoit et un prévisionnel de 3,4% de taux d'inflation. Est-ce que ce taux d'inflation, selon vous, il est décorrélé de la réalité telle qu'elle pourrait être? Je pense que le gouvernement, sur la base de ce qu'il y a maintenant, je pense que c'est possible d'y aller. Mais avec ce qui se passe maintenant en Ukraine, avec ce qui se passe par rapport à la Russie, qui a dit qu'elle ne va pas reconduire tout cet accord par rapport au blé qui a été sponsorisé par la Turquie. Donc, je pense qu'il y aura peut-être une flambée des prix au niveau international. Un rebond du prix des céréales, un rebond du prix du blé, il faut s'attendre à cela. Tout ça, donc, et puis également les matières premières pour certains autres produits comme l'huile, etc. Donc, s'il y a ce genre de choses, donc on va peut-être aller vers une tendance haussière au niveau de l'inflation. Donc, mais étant donné la situation aujourd'hui, je pense que cette prédiction qui est du gouvernement, elle est réaliste. 3,7. Est-ce qu'elle n'est pas trop ambitieuse, la salade? Elle est un peu ambitieuse. Elle est un peu ambitieuse, mais vous savez ce qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement a investi maintenant parce qu'il y avait un problème qui s'est produit l'année dernière. C'est pour cela qu'on a une inflation qui est endogène. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'eau de Bilouiden, on l'a mis à Al-Masira pour pouvoir avoir de l'eau potable pour Casablanca Sud. Alors, parce qu'on a fait ça, on a coupé les pannes par rapport à l'irrigation au niveau de la plaine de Sedla. Et ce qui a fait que les prix des légumes, les prix de pas mal de produits... Donc, c'est nous-mêmes qui avons créé de l'inflation, en fait. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mettre le canal, maintenant, à partir de Sbou jusqu'à le barrage de Moulay Abdallah, à côté de Rabat, 6-7 milliards de dirhams d'investissement. Ça va permettre d'acheminer de l'eau vers Casablanca. Et ça va permettre également d'irriguer, c'est-à-dire de laisser l'eau de Bilouiden irriguer la plaine de Tedla avec un plus de produits, peut-être en va. Donc, on va dire clairement, on pourrait arriver à mieux maîtriser l'inflation. Des légumes et tout ça. Mais avec 3,7%, le taux de croissance prévisionnel du gouvernement, certains considèrent qu'en fait, ça sort largement en deçà des besoins programmés pour le financement des politiques
et la dépense publique et surtout la dépense sociale qui est prévue. On a bien vu la mise sur orbite du RSU, le revenu social unifié, avec les aides directes, il y a un retard qui a été pris, même si la programmation qui était faite pour 2023, beaucoup disent que ça sera peut-être pas en 2023, mais plutôt en 2024. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, et donc en disant, si on a une croissance aussi faible, c'est-à-dire une croissance d'ailleurs qui est largement en deçà du taux d'inflation, ben, il n'y aura pas suffisamment de sous et d'argent et de ressources financières pour financer toutes les politiques sociales qui est prévues par le gouvernement. Mais malgré, c'est-à-dire il y avait une croissance qui était mitigée l'année dernière, cette année-là, c'est-à-dire l'année dernière, et on a pu quand même financer une bonne partie de tout ce qui est action sociale par le gouvernement. Parce qu'il était prévu. Les aides directes étaient prévues, on l'a pas réussi. Il y a des marges fiscales qu'on a pu avoir. Donc, si vous regardez un peu dans la présentation qu'a fait le ministre du budget, il y a quand même une augmentation assez importante dans les recettes fiscales. Globales, qui proviennent essentiellement de la TVA d'ailleurs. Elles proviennent de la TVA, il y a un petit peu qui vient également de l'IS. Certains considèrent effectivement l'augmentation des recettes fiscales cette année, on devrait être peut-être autour de 190-200 milliards de dirhams. Mais c'est grâce à l'inflation. Et en contrepartie, ça coïncide aussi avec la détérioration du pouvoir d'achat des ménages. C'est grâce à l'inflation, mais ce sont les recettes de cette année qu'on va utiliser pour l'année prochaine. Donc, ce sont les recettes qu'on a maintenant, c'est qu'on va utiliser pour l'année prochaine. Et donc, le gouvernement, je pense qu'il aura quand même les ressources essentielles pour pouvoir financer tout ce qui est social. Ceci dit, c'est pas exclu que le gouvernement va recourir peut-être à la dette s'il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, c'est-à-dire s'il y a par exemple une inflation galopante, si on a des recettes qui s'amoindrissent et tout ça, le gouvernement a la possibilité. Est-ce que c'est la solution, ça? Ce n'est pas la solution. L'endettement, quand on sait que la dernière levée d'ailleurs, mais au niveau des marchés internationaux de 2,5 milliards de dollars, c'est un investissement qui est important. On a eu un spread de 6,5 et que ce spread de 6,5 est extrêmement élevé. Mais il est de. Il pourrait être encore plus élevé si on a encore recours aux marchés internationaux. Il y a d'autres pays qui le font à un taux qui est beaucoup plus grand que ça. Donc pour nous, on est encore dans la norme. Par rapport au taux d'intérêt sur 30 ans, donc c'est quelque chose qui... Précédemment. Mais si vous comparez ce qu'on fait, par exemple, par rapport à la dette, c'est-à-dire la dette par rapport à l'investissement dans tout ce qui est social, je pense qu'on peut s'endetter pour le faire. Moi, je ne dis pas qu'on va s'endetter pour financer la protection sociale. On a suffisamment de fonds, je valore aujourd'hui, on a suffisamment de fonds pour pouvoir financer tout ce qui est social. Mais si jamais il y a un problème, bien sûr, on a recours à la dette. On le fait tout le temps de toutes les manières. Sauf que recourir à la dette pour le financement de politiques sociales, certains économistes, alors je serais curieux d'avoir le point de vue de la Sénat dette là-dessus, ils disent voilà, il n'y a pas forcément de retour sur investissement. Non, il y a un bon retour sur investissement. Profitable. Les économistes qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire, si on dit qu'il n'y a pas de retour sur investissement par rapport à tout ce qui est social, ils n'ont pas lu Amartya Sen, ils n'ont pas vu ce qui. L'investissement dans les capacités des couches qui sont vulnérables et des couches qui sont la classe moyenne, c'est très important. Si vous êtes, par exemple, si vous avez la couverture sanitaire pour une classe moyenne, la classe moyenne, son pouvoir d'achat va augmenter. Si son pouvoir d'achat augmente, ça veut dire qu'elle dépense plus. Donc, on ne peut pas dire ce genre de choses. Si la classe moyenne et si les autres, ils ont plus de capacités en matière de pouvoir d'achat et tout ça, s'ils ont beaucoup plus, c'est-à-dire ils investissent dans leur famille, ils investissent dans l'éducation, ils investissent dans la santé, c'est une bonne chose pour la productivité, c'est une bonne chose pour le bien-être. Donc c'est un investissement qui est à long terme et qui est très important, et le retour sur investissement, il n'est pas sur le champ. En tout cas, il n'y a pas d'impact sur le PIB directement, on est bien d'accord? Non, il y a un retour sur l'investissement, c'est-à-dire parce que vous donnez plus de pouvoir d'achat aux couches sociales. Rapport de la Cour des comptes de mémoire, parce que des fois j'ai ma mémoire qui me fait défaut, c'était en 2018, me semble-t-il, parler d'un endettement global de la dette Maroc globale. Autour de 92-93% déjà qu'on était en 2018. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de dépasser les 100% d'endettement? Ce calcul-là, je ne l'accepte pas. Il est un calcul qui est standard et qui est international. C'est l'endettement de la finance publique. Si on parle, par exemple, de l'endettement des établissements publics, des offices et des établissements, c'est pour ça qu'il parlait de dette globale. Où il y a une garantie de la part de l'État, on ne peut pas additionner la garantie de l'État par rapport à la dette qui est directe. La dette directe, c'est 69%. C'est ça le standard international. S'il y a des gens qui veulent créer une autre façon de calculer, c'est à eux de le faire. Mais pour nous, et c'est comme ça que ça se calcule partout.
c'est l'endettement du trésor marocain. Et donc, c'est à 69%, c'est pas à 90%. Certains considèrent que, vu notre, nous sommes une économie en développement, il nous devrait y avoir ce ratio en deçà de 60%. Et non, bien sûr, on l'avait. Trop élevé. Non, non, mais écoutez, on ne peut pas demander, par exemple, on ne peut pas demander au gouvernement de financer tout ce qui est protection sociale, on ne peut pas demander au gouvernement d'augmenter les salaires et de faire le dialogue social avec 10 milliards de dirhams, on ne peut pas demander au gouvernement d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé. D'où est-ce qu'on va avoir ça sans qu'il y ait... Vous savez ce qu'on a fait au Maroc? C'est colossal. C'est autant de Covid, autant de l'arrêt de l'économie. C'est là où on a investi dans la protection sociale qui est un chantier très important. Comment financer tout ça? On ne peut pas le financer. C'est-à-dire, si on ne peut pas le financer à travers les recettes, ouais. Il y a une partie. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi avoir recours à l'endettement, la salle de dette, quand on sait, un petit joaillier, le gouverneur de la Banque centrale, il y a un potentiel aujourd'hui de recettes fiscales à collecter autour de 100, 105 milliards de dirhams. Donc voilà. Le manque à gagner de la TVA non recouverte aussi. On est aussi sur des volumes extrêmement importants. Et donc voilà, Il faut faire de l'élargissement, mais en même temps, quand on a essayé de faire l'élargissement l'année dernière et on a dit on va faire par exemple des impôts par rapport à des professions libérales, par rapport aux gens, il y a un levier de tollé par rapport à tout le monde. Donc là, l'extension de l'assiette fiscale, ça se fait progressivement, petit à petit. Maintenant, avec la couverture sociale, avec ce qu'on a fait comme participation unitaire par rapport à tout ce qui est fiscalité, on est en train d'arriver en tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain et on dit on a élargi l'assiette fiscale. Il faut que les gens trouvent dans la fiscalité quelque chose, un élément qui une contrepartie. Est encourageant. Le problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a trouvé les moyens effectivement de convaincre ceux qui sont réticents à payer l'impôt, qui sont d'ailleurs dans la fraude, hein, ou l'évasion fiscale, mais essentiellement dans la fraude fiscale, d'ailleurs, et plus particulièrement au niveau de la TVA. Et au niveau de l'IS également. Et au niveau de l'IS aussi. Vous savez que c'est seulement 2% des sociétés qui paient 80% de l'IS. Hein. Ça veut dire qu'une grande partie des petites et moyennes entreprises ne payent pas l'IS parce qu'elles déclarent que leur bilan il est négatif. Il est négatif. Donc, il est tout un travail qu'il faut faire. C'est un travail de pédagogie. Il y a un travail également de réforme fiscale. Il y a un travail. On a commencé déjà. Il y a un bon, je pense qu'on a commencé il y a 3 ans ou 4 ans à essayer de formaliser ce qui est informel. Avec la couverture sociale, on va pouvoir le faire également. Mais c'est quelque chose qui vient progressivement. On peut pas le faire du jour au lendemain. En tout cas, ce qu'on sait, c'était chiffré d'ailleurs et annoncé lorsqu'il était ministre en charge de l'économie et des finances, c'est Mohamed Benjaboun, qui est aujourd'hui d'ailleurs à la tête directeur général du fonds Mohamed VI pour l'investissement, que tout ça, ça va coûter annuellement 51 milliards de dirhams. Tout ce qui est protection sociale, et dans cette protection sociale et prévoyance, il y a la généralisation de l'AMO qui, elle seule, va avoir un coût annuel de 14 milliards de dirhams. Donc il faudra trouver 50 milliards de dirhams, donc 14 milliards de dirhams pour l'AMO. Non, il faudra trouver, mais également il faut également voir quels sont les risques que court, par exemple, ce fonds-là qu'on est en train de mettre en place pour financer l'AMO, pour financer également la protection sociale. Parce que si les frais médicaux grimpent et s'ils deviennent, par exemple, quelque chose d'insoutenable et on arrive à un montant qui est colossal de 80 ou 90 milliards de dirhams, ça va être un problème. Donc, c'est pour cela qu'il faut diversifier, il faut que ces fonds-là soient durables, il faut trouver des moyens de financement, il faut que les gens payent également. Il y a pas mal de gens qui ne veulent pas payer, ils veulent avoir la protection, la couverture médicale, mais ils ne veulent pas payer. Il y a bien sûr les Ramidis pour qui les États payent. Est-ce que c'est 11 millions et tout ça, on va trouver avec le registre de RSU. Le RSU. Mais il faut qu'on trouve un moyen de financer, mais de financer d'une façon efficace. Parce que si on le laisse d'une façon pas très, très bien calculée, pas très bien gérée, et on ne diversifie pas les ressources, on ne diversifie pas, et les gens ne payent pas, on va se retrouver avec quelque chose qui est... Est-ce que vous partagez le point de vue, justement, la Sénat là-dessus? C'est le chef de gouvernement, Aziz Khannouch, qui avait fait cette déclaration il y a quelques mois, en marge d'ailleurs des questions orales au Parlement, et qui avait dit, de toute façon, ceux qui ne paieront pas, ceux qui ne cotiseront pas, ceux qui n'assureront pas de contribution à l'AMO, à la hauteur de leurs revenus, bien entendu, eh bien, il n'y aura pas d'assurance maladie.
Est-ce que, voilà, ça, est-ce que c'est aussi un peu ça aussi le... Mais on veut arriver à un mode opératoire dans lequel tout le monde paye et tout le monde peut avoir l'assurance maladie. Parce que si on veut dire c'est universel, il faut que tout le monde, il faut qu'on trouve un moyen que tout le monde paye. Alors, on a un problème et c'est ça le défi, c'est le défi avec les 5 millions qui sont des professions qui sont libres et des libérales et qui ne sont pas. Avec les autres, on ne retrouvera pas de problème avec les employés, avec les. On a des problèmes avec, aussi. Avec les commerçants, on va avoir de ce problème. Mais les commerçants doivent comprendre, c'est que l'assurance maladie va leur donner une certaine garantie, une certaine assurance. Ils ont du mal à croire, eux, que d'être doté d'une assurance maladie obligatoire, ça permettra de choisir entre l'hôpital et la clinique comme on le souhaite, d'avoir une prise en charge d'un et scanner aussi. C'est pour ça que le travail que fait le gouvernement par rapport à cette amélioration de la prestation aussi bien des cliniques que des hôpitaux, avoir un système de santé qui est valable, un système de santé qui ne te renvoie pas au calendrier grec quand tu veux un rendez-vous. Avoir, par exemple, quelque chose de qualité en termes d'offres, ça aussi, ça va quand même fidéliser, ça va fiabiliser et ça va recréer cette confiance. Donc, vous y croyez, je crois. Et vous dites, on trouvera les fonds, on trouvera l'argent de toute façon. On trouvera l'argent, on va réformer la santé, on va réformer les services de santé pour que ça marche. Si on ne réforme pas les services de la santé, s'il n'y a pas une prestation de santé qui est bien, que le citoyen peut aller dans un hôpital ou dans une clinique et il n'y a pas de problème et il paye juste la différence, on ne va pas arriver. Est-ce que tout ça prendra du temps? Est-ce que vous faites partie de celles et ceux? Parce que je rappelle, vous êtes député, donc vous êtes élu de la nation, vous avez des responsabilités, vous avez toujours eu des responsabilités. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, l'info en face matin TV, à dire effectivement, une santé publique et privée via la généralisation de la couverture médicale de qualité, ça sera possible en 2024? Ça sera possible en 2025? Vous l'avez dit, ça sera possible en 2030 ou 2035? Non, je pense qu'il faut aller de l'avant par rapport à cette question parce que ce qu'on a fait au niveau du Parlement, je suis membre de la Commission des Finances, on a donné les fonds au ministère de la Santé. Il y a maintenant le fonds, on peut construire les hôpitaux, on peut équiper les hôpitaux, on peut équiper les dispensaires. Il faut restructurer tout le système de santé, toute l'offre de santé. Très bientôt, bien sûr, il y a un problème des ressources humaines. On n'a pas suffisamment de ressources d'abord humaines. D'abord, on a un gros déficit. Parce voilà. On a un gros déficit au niveau, par exemple, du rural également. Oui. Donc, tout ça, il faut qu'on le travaille. Je pense que dans l'espace de 2 ans, 3 ans, on finira. Une réforme qui prend plus que 3 ans, c'est pas une bonne réforme. Ceux qui disent, parce qu'on va aller sur l'état social, je sais que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, ceux qui disent, mais de toute façon, d'un côté, on nous dit qu'on veut généraliser la couverture médicale pour 22 millions de personnes, d'assurés sociaux, et de l'autre côté, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des déficits de médecins et d'infirmières à hauteur de 100 000. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de dire aux concitoyennes et concitoyens le tout est son contraire? On le fait au fur et à mesure. C'est pour cela qu'on a passé la loi qui peut permettre à des médecins de venir de l'étranger. On est en train de généraliser les facultés de médecine. On est en train de généraliser les CHU pour avoir 12 CHU. Donc, c'est une offre qui va... Peut-être ça va chercher 2026, 2027, 2029. Mais en attendant, je pense qu'on peut avoir des médecins de l'étranger. Pourquoi ça ne marche pas? Il faut que maintenant on déverrouille tous les process pour avoir des médecins qui peuvent arriver. Maintenant, il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que l'ordre de médecins joue le jeu. Il faut que les ministères, que ce soit le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la Santé, il faut faciliter ce process. On trouve des médecins qui veulent venir, qui veulent aller travailler dans le rural, dans les zones qui sont enclavées, on les trouve. En tout cas, on a ouvert les frontières là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ça ne sera pas sur pied, comme aussi l'école publique, qui est aussi une dynamique de rénovation et de réforme qui est enclenchée depuis un an et demi par Chakib Ben Moussa, qui était précédemment d'ailleurs président de la commission spéciale Nouveau Modèle de Développement. Est-ce que ça veut dire que l'état social aussi, ça va demander du temps? Non, mais l'état social, il est déjà en train de se faire. On n'a pas attendu, par exemple, tout cela pour avoir les transferts directs au profit des ménages qui sont pauvres dans le cadre du programme TICR. On n'a pas attendu l'état social pour mettre en place l'initiative de développement humain qui est implémentée et qui est l'idée par Sa Majesté. On n'a pas attendu l'état social pour aller sur les provinces du Sud et avoir ce projet structurant qui s'appelle le modèle développement des provinces du Sud, qui fait que ces provinces vont devenir un carrefour entre l'Europe et l'Afrique et tout ça. On n'a pas attendu également l'état social pour faire ce programme qui est un programme structurant très important et qui est ciblé et qui est le programme de réduction des disparités, surtout dans les zones montagneuses et dans les zones rurales enclavées. Tout ça se fait. Et
au temps de Covid, on a également utilisé l'État social avec, bien sûr, ses déficiences, avec ses problèmes et tout ça, pour transmettre, pour faire les transferts directs au profit des ménages qui ont été impactés négativement par le Covid. Donc, l'État social travaille déjà, on est en train de perfectionner l'État social. Est-ce qu'on travaille pas trop, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent un petit peu, toujours un peu critiques, et c'est important d'avoir un peu d'esprit critique. C'est bien. La Senhaddin, en disant, voilà, mais il y a trop de focus, en fait, qui est fait par nos décideurs sur l'offre. En fait, voilà, on construit les hôpitaux pour la santé, on construit les écoles pour améliorer aussi le enfin, en tout cas pour dans le cadre de la réforme de l'éducation, alors qu'on s'intéresse pas forcément à ces écoliers, à ces enfants, aux demandes des populations, y compris dans le milieu rural, les attentes qu'ils ont aussi sur la cartographie qui peut être faite, c'est-à-dire pas de cartographie précise qui liste les attentes des citoyennes et des citoyens, mais plutôt on décide de rabat quelque part ce qui doit être fait dans les différentes régions sans consulter la base. Non, c'est pour cela qu'il faut aller dans c'est pour cela qu'il faut faire deux choses très importantes. Réussir le processus de régionalisation, de décentralisation, avec bien sûr beaucoup plus de déconcentration, c'est-à-dire beaucoup plus de pouvoir au niveau des services extérieurs, au niveau des décideurs, au niveau local. Ça, c'est très important. Et la deuxième des choses, et c'est ça, par exemple, la demande, c'est de travailler avec la population pour pouvoir. Que veut la population? Si on veut, par exemple, réformer, si on veut améliorer, par exemple, les prestations d'une école ou, par exemple, d'un dispensaire ou quoi que ce soit, il faut demander à la population, voir l'avis de la population, que la population soit là avec nous dans la programmation, dans la planification, dans l'exécution, le suivi, etc. Si on ne fait pas ça, on ne va pas réussir. Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. On le fait d'une façon modeste. On dit la participation citoyenne, on invite la société civile, etc. Mais ce n'est pas suffisant. C'est les citoyens qu'il faut avoir, il faut avoir avec nous. Ce sont des compétences qu'on doit avoir et qu'on doit avoir avec chaque projet. Chaque projet de développement qu'on fait, que ce soit un dispensaire ou une école, etc., il faut mettre en place également avec ce projet-là. Le prestataire du service doit mobiliser la population pour la consulter, pour avoir son feedback, pour avoir un système de plainte, pour avoir un système de suivi communautaire. Et si on fait tout ça, je pense qu'on est en train d'écouter la population. On ne peut pas écouter la population juste en ayant la société civile qui s'assoit et qui dit voilà. Dernière petite question, je profite de la présence de la Senhaddin, je le rappelais, d'un président de la commission mixte parlementaire maroc-UE. Vous me voyez venir? Oui. Il me voit venir. Je vois où tu vas. Tu veux aller à l'Europe? Je veux aller à l'Europe, je veux savoir le courant qui amène nos sardines, en fait. Hein, c'est les pêches, la cour de pêche réactivée, la commission aussi maroc-UE. Est-ce que les choses vont se réactiver aussi? Vous êtes alors, je sais pas dans où est-ce que nous en sommes concrètement aujourd'hui. Par rapport aux pêches ou par rapport à la commission? Un peu les deux. Les deux. Alors par rapport aux pêches, on a l'accord continue. C'est vu qu'il a été reconduit dans les mêmes conditions. C'est le protocole qui a fini le 17 juillet, parce que le protocole, c'est chaque 4 ans. Donc nous, on est prêt à mettre en place un autre accord. C'est aux Européennes de nous dire quand est-ce qu'ils vont le mettre en place. Et c'est bien nous, parti pour que c'est bien parti. Je pense que c'est bien parti. Vous voyez un peu la teneur de ce communiqué qui a été publié, qui dit que il y a des choses qu'on est en train de faire. Que l'accord va être reconduit. La recherche scientifique, tout ce qui est préservation des ressources ressources, etc. Ce sont les petits porteurs, les entreprises, etc. La pêche courtière. On est en train de travailler sur tout ça, mais on est prêt à mettre en place un protocole. Qui va être reconduit pour 4 ans. Qui va être reconduit pour 4 ans. Et mais on attend la partie européenne. Ils doivent gérer leurs problèmes entre eux. On en saura plus d'ici la rentrée, d'ici le mois de septembre. On ne sait pas, il faut demander aux Européens quand est-ce qu'ils sont prêts. Nous, les Marocains, nous sommes prêts. Très bien. Et sur la commission parlementaire marocaine, est-ce qu'il y a un target qui est prévu pour réactiver un peu cette commission? Pour la commission, on a une commission qui est une commission mixte entre le Parlement européen et le Parlement marocain. Cette commission, elle était là. Mais je pense que la partie européenne doit nous dire qu'est-ce qu'elle veut de cette commission. C'est une commission qui marchait. Nous, les Marocains, on était mobilisés, on était en train de travailler, on a mis en place les thèmes, mais la partie européenne n'était pas très intéressée. C'est-à-dire l'ex-président n'était pas très intéressé, n'était pas très... Il n'y avait pas de réunion, il n'y avait pas de travail commun. Il n'y a pas de travail commun de la part de... Maintenant, il y a un nouveau président, j'espère qu'il veut qu'on travaille ensemble. Nous, vous l'avez rencontré, ce président? Non, on ne l'a pas encore rencontré, parce qu'il y a une décision au niveau du Parlement européen de revoir ce partenariat. Parce que si on a une commission maroc-européenne qui est mixte, cette commission doit
également être consulté par rapport à n'importe quelle question qui doit être, qui est discutée au niveau du Parlement européen. On doit avoir notre opinion par rapport à ça. Si vous voulez discuter les droits de l'homme, cette commission doit dire quelle est l'opinion du Maroc par rapport à ça. On ne peut pas parler du Maroc, on ne peut pas parler du Maroc au niveau du Conseil de l'Europe, et on a une commission Maroc-Europe qu'on ne consulte pas. Si on ne la consulte pas, donc ça veut dire qu'elle ne joue pas son rôle. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, on est en train de rendre, si vous voulez, son rôle. Mais vous êtes dans quelle disposition, vous, en tant que président de la commission mixte parlementaire marocaine? Vous êtes plutôt dans l'apaisement, plutôt dans le dialogue? Non, on est dans le dialogue toujours, on est dans l'apaisement. Nous on pose des questions très spécifiques au niveau de, par rapport au Parlement européen. Nous voulons continuer ce partenariat. Il y a une commission mixte. Est-ce que vous voulez qu'on travaille sur cette commission mixte? Oui, si c'est oui. Alors, la deuxième des choses, c'est que il faut qu'on, ce mécanisme-là, à n'importe moment qu'il y a, par exemple, un travail qui se fait au niveau d'une commission, au niveau d'une plénière, il faut que l'opinion de cette commission soit écoutée, soit mise dans le rapport, soit également débattue, etc., etc. Si on ne le fait pas, ça veut dire que la commission existe de façon formelle comme ça, et puis les Européens font ce qu'ils veulent. Au niveau de leurs décisions, au niveau de leurs amendements, au niveau de leurs rapports. Certains, en tout cas du côté européen, vous diront, mais nous, en même temps, on est souverain, et ça concerne les 27 États membres de l'Union européenne. On n'est pas en train de décider pour les Européens. On n'est pas en train de leur dire, voilà ce que vous devez faire, vous ne devez pas faire. Si on est partenaire, écoutez également notre avis. C'est notre avis, c'est tout. Vous nous dites, par exemple, vous voulez parler des droits de l'homme au niveau du Maroc, on a un avis par rapport à ça. Il faut juste le signifier, il faut le noter, il faut que, là, par exemple, voilà. Là, ça va être donc clairement la reconduction de du protocole d'accord concernant la pêche marocaine. C'est une affaire de semaines. Hein? Je ne sais pas. A priori? A priori, il faut demander aux Européens quand est-ce qu'ils sont prêts. Vous êtes en train de prendre la tasse? Non. Il faut demander aux Européens quand est-ce qu'ils sont prêts. Nous, les Marocains, on est prêts. Parfait, merci. Je ne parle pas au nom du gouvernement. Je parle au nom du Parlement marocain. Nous, et vous parlez au nom et en votre nom, la salade d'aide en tant que... Non, non, mais il faut demander également au gouvernement marocain quelle est leur opinion. Donc ça, c'est moi en tant que parlementaire. En tant que parlementaire et en tant que président de la commission mixte Maroc-UE, merci infiniment. C'est toujours un réel plaisir. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite quoi, de passer de bonnes vacances, C'est prévu, c'est programmé ça par contre? Oui, c'est programmé, toujours des vacances. En tout cas, passez de bonnes vacances et merci une fois de plus. Toi aussi, tu vas prendre des vacances? Je vais essayer. Okay. Je ne sais pas si elles sont méritées ou pas, mais en tout cas, je vais essayer d'en prendre. Non, c'est mérité. Merci. Moi, je garantis que c'est mérité. Merci en tout cas infiniment à vous. La salade d'aide et à très bientôt. À très bientôt.